Je suis avec Ludovic Roard, maire d'Orchy, qui inaugure pour la première fois son marché de Noël ici à la Davo Pével Arena. Merci, accompagné de Magali Penel et de Didier Barre, adjoint en fête. Effectivement, c'est une vraie fierté que de pouvoir inaugurer ce marché de Noël au sein de la Pével Arena sur une idée originale de Dominique Bailly, mon prédécesseur. Et que nous avons eu la chance de pouvoir mettre en forme avec Magali, avec Didier qui se sont particulièrement investis sur cette manifestation. Et je pense que c'est vraiment une formidable réussite. On a eu l'occasion à l'instant même de passer dans les stands, de recueillir les avis des exposants. Et tous sont unanimes, c'est une vraie réussite. Donc c'est vraiment une très très grande satisfaction, une très très grande fierté. C'est en même temps très original parce que les marchés de Noël ont en grande majorité l'occasion de se faire à l'extérieur. Et le choix qui a été fait cette année, c'est de le faire en indoor, comme on dit. Et très franchement, ça, on recueille, on voit les gens sont heureux parce qu'il fait meilleur que dehors. Il passe plus de temps à déguster, à regarder ce qui se fait sur les stands. Donc je pense que c'est vraiment une très très grande réussite. Oui, c'est très très bien. Et puis les gens n'ont pas froid, ils n'ont pas besoin de se couvrir. Voilà, les gens sont détendus, c'est très bien. On est très bien ici en fait, c'est bien, on est au chaud, il y a du monde. Et on est mieux qu'en extérieur, surtout par des températures à moins 4 comme il y a fait aujourd'hui. On est quand même mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez également des démonstrations, vous avez des ateliers qui permettent de découvrir et de discuter avec les différents artistes. Franchement là, l'organisation, on n'a rien à dire dessus, c'est très très bien. Et après le marché de Noël, ce qu'on souhaite tout le temps, c'est avoir le plus de monde possible, quoi. Et là, je pense que ça plaît aux gens, que ce soit à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. On a même eu l'idée d'accueillir les personnes âgées en mettant en place des bus. Enfin voilà, en tout cas c'est une première qui est réussie. C'est la première fois qu'on vient et on est agréablement surpris. Pas mal de jeux pour les enfants, donc ça c'est super. Et de très beaux stands où il y a de beaux trucs à manger. Ici donc c'est mieux parce que c'est en intérieur et puis ça permet de voir un petit peu tous les petits commerçants locaux, les produits locaux. Et puis peut-être voir le Père Noël pour le plus jeune. Très, très bien animé, il y a diverses choses. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants, c'est très bien. Oui, c'est parfait. Oui. Très bien. Très bien. Pour la première fois, c'est mieux qu'à l'extérieur. On a moins froid. Alors. On a déjà des idées pour l'année prochaine. Magali pense à un concours, Didier pense à une crèche. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place. Et je pense que l'année prochaine, on aura encore beaucoup plus de monde. Et ce sera encore un marché Noël qui sera encore plus féerique, plus magique que cette année. On a fait le tour des stands. On a pris en compte les remarques des uns et des autres. Et je pense qu'effectivement, avec tout ce qu'on a pris comme note, je pense que l'année prochaine, si vous renouvelez l'opération, monsieur le maire, je pense que ça sera encore plus féerique que cette année. Voilà, monsieur Barre, je pense qu'on a bien travaillé. Réussite, et surtout pour les enfants, regardez, il y a tous les jeux. D'abord, on les voit, ils sont là, ils sont bien occupés à jouer, faire de l'aquabranche. Et ça, c'était un souhait pour les enfants. Voilà, c'est Noël pour les enfants et pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, puis moi je remercie toute l'équipe aussi municipale qui a aidé à décorer cette salle, l'équipe de la SPL forcément. Et puis on vous dit, monsieur le maire, j'espère, à l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il est là maintenant? On va regarder. Alors, est-ce qu'il est là? Tu le vois ou toi? Moi je le vois. Il fallait l'appeler en chantant. Ah, le voilà, Papa Noël.
petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.